Salut tout le monde, c'est Damitch. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Pit People, un jeu édité et développé par The Behemoth. Et The Behemoth, qui sont ces gars de The Behemoth? Ce ne sont d'autres que les créateurs d'Alien Hominid, Castle Crusher et Battlebug Theater. Des jeux complètement barrés, complètement foufou. Et Pit People ne déroge pas la règle, ce jeu ne se prend pas du tout au sérieux. Ils ont fait beaucoup de jeux, enfin, beaucoup de jeux. Ils ont fait. Chaque jeu en fait a été un type de jeu différent. Donc on a eu Alien Hominid avec un jeu 2D plateforme, de plateforme 2D pardon. On a eu Castle Crusher qui est un beat'em all. On a eu Battlebug Theater qui était un jeu coop, vraiment très coop. Et là on a Pit People qui est un jeu tactique et qui reprend on va dire les principes de leurs anciens jeux mais côté tactique vraiment. Donc on a le fun, on a la personnalisation, la customisation de notre équipe, de nos personnages. Et c'est vraiment un petit régal. Hein. D'humour aussi, vraiment bien barré. Bien sympathique. Donc, voilà, je passe vite fait les menus, je vous les présenterai tout à l'heure. Donc, là, nous avons le hub du jeu, qui est une ville où on va récupérer nos quêtes, où customiser nos personnages, où on va pouvoir accéder au multijoueur. En gros, c'est le menu, c'est le hub du jeu. Donc, je vous ai dit, c'est un jeu tactique, et nous devons, bien évidemment, avoir une équipe. Donc, l'équipe, ça se trouve ici. Donc ici, nous avons différents types de personnages. Voilà, nous avons notre équipe ici. Donc moi, j'ai pris, pour cette équipe-là, j'ai pris donc un tank, une personne à la masse qui va défoncer les ennemis qui ont un casque, donc qui ont plus ou moins une armure. Nous avons le cyclope qui lui est très fort et qui envoie les gens valdinguer. Nous avons Gluten, le cupcake qui nous permet d'avoir de la vie, le healer du groupe. Et nous avons donc ici Grizzly, des gnomes qui eux attaquent au corps à corps. Au corps à corps, à distance, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc on peut voir que là c'est. Voilà, c'est des. On a. Voilà. J'ai plusieurs petits. Tac, voilà. J'ai plusieurs petits. Comment dire. Build, si on peut appeler ça build de héros. Je vais éventuellement. Rester là-dessus. Voilà, je reste là-dessus. C'était pas plus mal. Donc, je vous ai parlé de customisation. Donc. On peut voir que chaque personnage ont un système de type comment dire un système de poids, de dommages, de défense, de blocage, d'esquive, de distance, etc. En fait, ils ont tous des caractéristiques. Et cela va varier avec l'équipement que l'on va leur donner. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, avec donc Horatio qui est ici, qui est un humain, je suis équipé d'une épée longue. Il suffit que je prenne cette épée là, donc les grosses épées énormes là, vous pouvez voir, énormes, pour voir que bah justement mon poids va augmenter, donc je vais être à 110% de mon poids. Que je peux porter. Donc du coup ça va m'enlever un déplacement, une case en moins, et je vais taper un peu moins fort. Par contre, vous pouvez le constater que je vais faire un peu plus de critiques. Donc je vais faire peut-être un petit peu plus mal. Donc je vais garder cette épée là, qui je me trompe, qui on peut le constater sur la droite, ici là, juste en dessous, on peut voir les effets en fait de chaque arme. On peut voir que mon arme va donner de l'électricité et va à 7% de chance d'étourdir. Le bouclier qui est ici, c'est parce que j'ai un bouclier. Donc j'ai 82% de chance de dévier les flèches ou les armes de jet. Donc, hop, nous avons les masses qui, elles, nous permettent d'écraser la tête des ennemis en face. Quand je dis écraser la tête, c'est écraser la tête des ennemis qui ont des casques, c'est-à-dire que je vais leur faire beaucoup plus mal. Les autres armes ne pourront pas leur faire mal, il n'y a que les masques qui leur font mal, et dans ces cas-là, je peux vous dire que ça dépote. Qu'est-ce que j'ai comme... Là, ici, nous avons donc les fleurets, hein,
les épées une main mais très basique, qui font quand même bien mal. Hein, celle-là elle a 17% de chance d'empoisonner, elle a 64% de pénétration d'armure, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est voilà pour les armes. Nous avons aussi les armes à distance pour les persos à distance. Donc ici nous avons les mortiers, nous avons les arcs longs. On peut voir que il y a beaucoup d'emplacements. Il y a les arcs courts. J'ai pas récupéré énormément. Là vous avez, c'est assez drôle, c'est que l'arc court en fait c'est des feuilles de papier que j'en, enfin des avions en papier que j'envoie. Quand je vous dis que ce jeu ne se prend pas au sérieux, voilà, c'est le cas quoi. Et ici nous avons donc les armes de jeu, les armes de jet ainsi que les armes à feu. Alors donc là voilà pour les armes, nous avons aussi les casques. Les casques qui sont ici, donc casque lourd. Les épées ne nous feront pas mal, il n'y a que les marteaux, enfin les marteaux, les masques qui nous feront des dégâts. Et comme vous pouvez constater que ça m'augmente aussi le poids de mon personnage ainsi que ça diminue. Et aussi ça diminue les dommages que je vais faire et le déplacement. Donc on peut voir que là c'est un casque un petit peu moins lourd qui va un peu moins me protéger du coup. Et là ça va pas du tout me protéger. Enfin ça va me protéger un minimum en défense, mais je vais tout prendre. Quoi qu'il arrive, je vais tout prendre. Donc on peut voir voilà les différents types de casques lourds, les différents types de casques médiums. Les casques de base, on va dire, si on peut appeler ça des casques. Et enfin, les têtes. On peut changer vraiment les têtes que l'on veut. Voilà, c'est ça. Je change de... Voilà. Vous voyez qu'il y a énormément de customisation. Et ça, sur chaque personnage. On peut changer vraiment sur chaque personnage. Il y a éventuellement une... Il y a que certains personnages comme là, vous pouvez voir, je peux changer juste... Voilà, le siège, donc je vais juste prendre les fauteuils, et lui c'est pareil, on peut juste lui changer, voilà, la coupe de cheveux, donc soit je lui mets deux autres cupcakes, et là je change la crème, ce qui n'a vraiment aucun rapport, hein. Enfin ça n'a aucun, enfin, vous voyez vous-même, il n'y a pas de bonus ou de malus sur n'importe quoi, là c'est vraiment esthétique. Donc voilà pour la personnalisation de notre équipe. Tu n'as pas choisi de... Ok, on s'en fout. Donc ensuite, dans les menus, nous avons le market qui va nous permettre de d'acheter donc des armes là sur la gauche, là vous voyez ici, d'autres armes ici. Donc là, c'est vraiment une grosse épée et nous pouvons acheter des mercenaires en plus, moyennant 7000 gold. Ici, c'est 500 gold et là, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Ah, excusez-moi, je ne sais plus du tout. Donc on peut voir qu'on peut acheter soit Angel, soit Buckley, soit GBK, et si j'ai de l'argent, bah, je peux acheter les 4, les 3 pardon. Donc là ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je le fais pas. Ensuite ici c'est le menu pour accéder au multijoueur, donc partie rapide, on va soit rejoindre une partie qui est disponible, soit on va créer une partie afin que les autres joueurs puissent nous rejoindre et combattre le mal ensemble. Ensuite nous avons les disques qu'on va récupérer au fur et à mesure dans la carte du monde et on peut changer de musique comme on le souhaite. Oui. On a envie de danser, n'est-ce pas? Et nous avons la difficulté du jeu. Donc soit on le met en insane difficulty, soit on le met en normal. En insane, j'ose même pas. Je songe même pas à le faire parce que déjà en mode normal c'est assez compliqué. Alors en insane j'imagine même pas. Et le dernier, nous avons le pit, qui est l'arène. L'arène du jeu. Donc c'est là où on va faire du PVP. Donc on va faire du PVP contre d'autres ennemis. Contre d'autres ennemis joueurs, bien évidemment. J'ai oublié de préciser la fin de ma phrase. Donc on va pouvoir jouer avec et contre. Ou alors, juste on va pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Ou alors on peut jouer contre l'IA. Tout simplement. Alors voilà pour le principe même du jeu. Enfin le principe même du jeu. Non, le menu du jeu, le hub du jeu, la ville. Je vais vous montrer maintenant les menus. Les menus, c'est pas ça, c'est ici. Donc ici nous avons les quêtes journalières. Là vous avez vu que j'ai fait 350 dommages. Il faut que je fasse 350 dommages pour gagner le cadeau de l'empereur. Donc nous avons 3
quêtes journalières à réaliser afin de regagner 3 cadeaux, tout simplement. Donc là, je change. Ici, nous avons les objets que nous pouvons débloquer. Pour chaque personnage, sur chaque partie du corps. Voilà, je cherche les mots parce que c'est quand même assez compliqué de dire partie du corps sur un cupcake, hein. C'est pour ça que je suis complètement déboussolé. Donc on peut voir que le premier c'est cupcake batter et cupcake topping. Donc je pense que le topping c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le haut en fait, c'est le haut, la crème, ou alors la gaufre, ou les deux autres personnages, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est très 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 bizarre à expliquer. Donc là nous avons les décorations, donc tout ce qui est armes, armure, casque, enfin armure, quand je parle d'armure c'est un bouclier, etc. C'est tout ça en fait, tout ce qu'on peut débloquer. Nous avons les succès, nous avons la progression globale du jeu, donc on peut voir que j'ai fait 55 zones sur 125, j'ai débloqué 200 objets sur 1379, donc j'ai encore beaucoup à faire, et j'ai fait que 16 quêtes sur 122, on peut voir le nombre d'humains que j'ai pu tuer, le vampires, de pixies, de trolls velus, de gorgones, de clopes, enfin bref, on peut voir vraiment tout ce que j'ai fait, et on peut voir aussi le total de victimes qui est de 165. Ensuite, nous avons la tâche actuelle. Pour le moment, je n'ai pas de quête active, donc c'est normal que je n'ai pas de tâche actuelle. Et nous avons le bestiaire. Le bestiaire, en fait, vous voyez que ce sont les capacités de chaque personnage que l'on rencontre dans le jeu ou que l'on débloque aussi, par la même occasion. Donc voilà pour la présentation des menus. Donc je vais vous montrer maintenant comment on part au combat. Pour petite parenthèse, donc pour les personnes qui suivent de près l'actualité de The Behemoth, on peut voir quand même des clins d'œil à leurs anciens jeux. Donc on peut voir ici la tête de l'alien hominide, hein, du premier jeu donc de The Behemoth. Ici on peut voir le boss final de, excusez-moi si je vous spoil, mais bon c'est pas non plus la mort, de Battle Block Theater, qui est aussi notre grand méchant ici. Donc il y a peut-être une suite, c'est peut-être une suite à voir. Et donc ici j'arrive donc à l'entrée du village, de la ville, pour activer une quête. Donc là vous voyez, j'ai le choix entre trois quêtes. Les difficultés sont représentées par les crânes au-dessus de chaque quête. Là vous voyez, là j'ai 4 crânes, 5 crânes, 5 crânes. Donc je vais prendre le PT3, la première quête avec 4 crânes, pardon. Je peux changer les quêtes en appuyant sur Y, mais ça me coûte 50 pièces d'or. J'en ai pas besoin, éventuellement je vais juste garder le PT3, hein, je vais pas me prendre la tête. Ensuite, avant de partir, vous voyez ici les trois points verts, ils sont verts parce que je les ai tous, mais quand on les a pas, les quêtes, bah on va errer et au final ça sert à rien. Bien que sur la map, quand on va sortir, il y a des quêtes facultatives où on va pouvoir se promener. Il y aura des PNJ qui vont être sur la map et qui vont nous dire « Au fait, s'il te plaît, tu peux aller me faire ça, tu peux aller me faire ci, tu peux aller me faire ça. » Et donc du coup, on peut faire d'autres quêtes autres que la quête qu'on a validée ici. Mais ce sera juste sur la minimap. Donc, nous avons le magasin avant de partir, le camp de guérison qui va nous permettre, comme son nom indique, de se guérir entre chaque combat. Sur la minimap, on installe un camp et paf, la vie augmente. On a la cage de recrutement qui nous permettra de recruter, comme son nom indique aussi, un ennemi quand il sera tout seul. C'est-à-dire que quand ce sera le dernier ennemi qu'on a sur la map, on pourra le capturer pour qu'il soit dans notre équipe. Nous avons la potion de résurrection, comme son nom indique, qui va raise des personnages de notre groupe, et la nitro qui va nous permettre d'accélérer avec notre chariot sur la map. J'ai oublié de vous préciser ici en bas là les missions bonus. On peut voir que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, enfin, voilà, vous comptez, je crois que c'est que les petits points. 1, 2, 3, 4, j'ai fait que 4 quêtes principales, 4 quêtes secondaires, mission bonus, vous voyez, c'est pas énorme, je suis même pas sûr. Je sais même pas si ça c'est des quêtes aussi secondaires. Là j'ai un gros doute. Ça fait pas mal de temps que je n'y ai pas joué, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements.
Donc là, je pars sur la map et je vais vous montrer un combat. Donc la map se montre comme ça. Donc j'ai fait 32 explorations sur 63 et à l'heure mission, j'en ai fait que 0. Donc voilà. Alors nous avons la petite flèche jaune qui nous indique où se place la quête active, la quête principale que l'on a activée dans la ville. Donc je vais m'y diriger en passant par en haut. Je me suis complètement trompé de... Voilà, donc je me suis complètement trompé de touche. Enfin même pas de touche, c'est-à-dire que je suis revenu dans la ville. C'est pas ce que je voulais faire. Donc on peut voir que quand je n'ai pas fait la quête, excusez-moi. Quand je n'ai pas fait la quête et que je retourne en ville, eh ben j'ai la note de F. Donc ça me sert à rien. Donc je vais recommencer. Hein. Je suis désolé pour l'attente. Donc voilà, hop, je prends ça, tac tac, pouf pouf. Et donc je disais que je voulais passer par en haut. Parce que, arrivé ici, nous avons la minimap. Donc on peut voir qu'ici j'ai fait cette quête là à 100%, donc elle est terminée, j'ai pu y retourner. Nous sommes ici, voilà, ici, et donc je dois aller donc dans les volcans, c'est ici, me semble-t-il. Donc pour aller ici, il faudrait que je passe par en haut. Alors vous pouvez voir que la map est générée aléatoirement, parce que vous avez pu constater que c'est pas du tout la même map que tout à l'heure. Donc c'est généré vraiment aléatoirement, ce qui est vraiment pas pour me déplaire. Ça change vraiment le jeu. Et c'est même pas de partie en partie, ça change vraiment le jeu totalement à chaque fois qu'on sort de la ville, quoi. Parce que vous avez pu voir que le monstre nous déplace sur la map. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours la même chose. Alors... Bon bah je vais vous montrer ce combat-là, c'était pas ça que je voulais vous montrer, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ce combat-là, et puis au moins vous aurez un aperçu des combats. Alors, le combat, comment ça se passe? Ça se passe au tour par tour. Donc là, vous allez voir que je vais choisir l'emplacement de chaque personnage sur la map. Là, on peut voir que je peux aller jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, à l'hexagone. Excusez-moi. Je suis obligé de compter les côtés pour savoir ce que c'est. Donc je peux aller jusqu'à l'hexagone bleu. Je peux pas me déplacer autre part. Parce que lui, il n'a que deux cases d'emplacement. On peut voir en bas à gauche au niveau des pieds dorés. On a les PV de l'équipe qui est représentée en bleu. Et les personnages en bleu, c'est-à-dire que ce sont les personnages qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas eu d'ordre. Donc vous voyez que le gros là, il a été endoré d'un coup. Donc je vais me déplacer, je me suis trompé. On va se déplacer ici. On va se déplacer ici avec lui. Et on va se déplacer ici. Toc 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 toc. De toute façon, pour le moment, je m'en fiche. Là. Et donc là, ça va être à l'ennemi de jouer. Et je vais vous montrer la petite subtilité du jeu. Qui peut être peut-être un point négatif, mais qui quand même... Enfin, c'est... Un point négatif pour certains, pour moi c'est plus un point positif. Donc là en fait, là vous voyez avec le Horatio, là, le personnage qui est sélectionné, si je me mets là où je suis, là, sur le A là, vous pouvez voir que les trois ennemis qui sont là, donc lui, lui et lui, sont en bleu. Ça veut dire que j'ai une chance de taper un des trois en fait. Je vais taper obligatoirement, c'est même pas une chance, c'est que je vais taper obligatoirement un des trois. Mais je ne choisis pas lequel, donc c'est aléatoire. C'est-à-dire que je me passe là, il peut taper le bonhomme, le personnage qui a donc un bouclier, qui a un masque qui va parer, on va dire, mes attaques avec mon épée. Donc je peux le taper et lui faire le moindre dégât, enfin pas beaucoup de dégâts. Donc voilà, faut bien se situer, faut bien se caler quoi. Donc là, je vais essayer d'éclater le petit là et celui-là avec la masse là, le petit là, Ducky, voilà, c'est ça, Ducky, je vais essayer de le placer à côté de Power Toes. Lui il va se mettre là, et voilà, le Cupcake qui va se mettre là, et voilà. Donc hop, là on va voir l'attaque. Donc là on voit à gauche que j'ai fait 350 de damage. Voilà, ce qui est bien c'est que j'ai eu des levels, et ça c'est plutôt cool. Mais j'aurais préféré avoir les levels un petit peu plus tard, parce qu'à chaque fois qu'on grimpe de level,
notre vie se régénère. Ce qui est plutôt cool. Là, lui il va rester là, lui il va rester là, lui il va rester là. Lui est-ce qu'il a... Ouais, lui, il va rester là aussi. Cupcake il va rester là par contre. Toi tu vas te mettre là. Hop, voilà. On va faire un petit rempart pour protéger le gluten. Voilà, cool. C'est ça que je veux. Bim. Voilà, on peut voir que le cyclope d'en face m'a bien fait mal. Et il va falloir que je... défonce celui de là, et celui de là que je défonce. On va essayer de protéger ça. Et... tac, voilà. Donc vous avez compris le principe du jeu, c'est de bien se placer afin de faire mal aux autres, vraiment. Mais là je pense que je vais avoir vraiment mal parce que Horatio là, je suis pas trop fan là où il est placé. Et il y a combien d'archers là? Il n'y en a qu'un seul. Ça va, ça le fait. Toi tu vas te mettre là du coup. Le gluten on va le mettre là. On va mettre là, ça c'est qui lui? Donc on peut voir que mon cyclope a été ralenti. Puisqu'il s'est fait... il s'est fait envoyer... très loin. De sa prochaine victime, si je peux dire ainsi. On peut voir que le Horatio avec le bouclier, c'est pas ça. Ça me fait mal, mais ça me fait très très mal. Toc, je vais essayer de m'éloigner un maximum. Là aussi, lui, il va se mettre là. Et lui, il va se mettre là. Et gluten, je vais essayer de le mettre un petit peu plus loin. Afin de le protéger quand même des autres ennemis. Ah mince, c'est tout ce que je voulais faire. Et là, c'est dommage. Hein. Parce que là, mon personnage avec la masse, il a éclaté le personnage que je ne voulais pas. Oh là 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 là, lui, Grizzly, là, il va mourir. Il va mourir, Grizzly. Il va mourir. Donc, je vais faire ça. Je vais me mettre là. Là. Ici et ici. Voilà. En espérant que... ouh, ça lui a fait mal, donc je l'ai empoisonné et il fait pas beaucoup de vie, donc ça c'est cool, ça c'est plutôt classe. Bon par contre Horatio il va prendre cher, j'ai intérêt à le dégager de là assez rapidement. Horatio on va essayer de le mettre là, lui on va le mettre là, si lui je peux le laisser là c'est cool. Ok. Et lui il va le protéger. Donc voilà le jeu. Je vais faire une petite ellipse afin de vous passer ce combat qui va être très long. Parce que les combats sont quand même assez longs. Hein. Faut avoir quand même du temps. C'est pas une... on fait pas une partie genre 5 minutes. Hein. C'est très très long quand même une partie. Enfin un combat du moins. Donc, alors imaginez quand on fait plusieurs quêtes d'affilée, on peut y rester quand même pas mal d'heures dessus. Donc voilà, je fais la petite ellipse et je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Alors voilà, donc je vous reprends, voilà, donc j'ai fait la petite ellipse. On peut constater ou pas en bas de l'écran que j'ai perdu deux personnages, donc Horatio et un des gnomes. Ils m'ont littéralement tué, mais bien comme il faut quoi. Hein. Ils ont été vraiment très forts là, très difficile. Donc là je vous reprends justement pour vous montrer le système de capture de personnages. Là je vais capturer ce personnage là pour vous montrer exactement comment est-ce que l'on fait. Donc, pour capturer un personnage, déjà d'une, il faut avoir une cage et il faut avoir un filet. Ou un personnage ayant un filet, plutôt. On peut voir que, ici, ce personnage-là, Ducky, a un filet. Et
Il faut absolument se placer donc sur l'une des cases où il y a une cage. Et elles sont situées tout le temps, à une case d'intervalle avec l'ennemi. Et il faut que l'ennemi ici, il soit le dernier ennemi sur la map. Et pour le capturer, j'ai juste à passer mon tour. Là, je vais balancer mon filet, vous allez voir. Hop, et voilà, je l'ai recruté. Tout simplement. Voilà comment ça se passe. Et donc là, nous avons le récapitulatif du match avec le système de meilleurs joueurs de la partie de mon côté qui était Moustarde et de leur côté qui était Odin. J'ai récupéré donc un petit coffre qui est ici ainsi qu'un petit sac. Et j'ai récupéré aussi une cage avec un ennemi à l'intérieur qui maintenant est un ami parce que je l'ai récupéré. Hop, on va quitter ce récapitulatif pour retourner donc sur la map. Je ne vais pas faire la quête principale parce que c'est quand même assez long et je voudrais pas vraiment faire une vidéo trop longue. Toi, tu t'en vas, voilà. Donc le Y qui va permettre, je joue à la manette, on peut jouer aussi au clavier souris comme je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On peut voir là avec la souris, tac 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 tac. Je peux donc jouer à la manette et je joue en général à la manette parce que je trouve que c'est un petit peu plus agréable à jouer. Donc nous allons retourner, hop, vous allez voir, hop, regardez, tac tac tac, dès que j'arrive auprès de la ville, tout ce que j'ai récupéré durant la mission, ou pas la mission, que je me suis promené sur la map, dès que j'arrive à côté de la ville, ça les envoie directement dans la ville. Donc, et pour voir ce que j'ai débloqué, il suffit de retourner en ville. Là, il va nous dire que je n'ai pas fini la map. Et on peut voir que j'ai gagné donc l'humiliateur, la coupe de samouraï. On peut voir en fait justement ce à quoi ça représente. Hein. Donc là, c'est vraiment un cosmétique du visage, hein, visuel, qui n'apporte rien d'autre que du visuel. Et le Hipstar. Voilà, j'ai récupéré 108 pièces d'or et 107 pièces d'or bonus. Donc ma mission a été complètement foirée et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai réussi à faire les 350 dommages en une journée. Donc du coup j'ai eu le Boom Bro 3, donc pareil encore du cosmétique pour le visage qui n'a strictement aucun effet sur les blocages, sur l'esquive, sur les attaques, enfin sur tout ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment que du cosmétique. Et j'ai gagné 344 pièces d'or bonus. Voilà pour le jeu Pit People. Je vous expliquais vraiment les grandes lignes, j'ai pas besoin de vous expliquer davantage. Après voilà, je vous ai pas montré non plus les quêtes secondaires, qui sont pas non plus folichonnes, hein. C'est juste tiens mec, va me chercher ça, enfin c'est un petit peu du FedEx quand même, ou va m'escorter un tel, ou va faire ci, ou va faire ça. Ça reste très basique au niveau des quêtes, hein. C'est pas non plus mirobolant, c'est juste que ça ne se prend pas au sérieux, ça peut être drôle. Après, y a des personnes qui sont pas sensibles à cet humour-là. Hein. J'avoue que ça me fait sourire, mais je rigole pas, je suis pas plié en quatre à rigoler comme un foufou. Donc voilà pour le jeu Pit People. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez éventuellement, nous pouvons parler sur le Discord de Life is Sukhoi, du jeu. On peut parler du jeu et puis éventuellement si des personnes l'ont, on peut aussi se faire des parties. Ça peut être super sympa. Et donc je vous dis à bientôt, une très bonne continuation et bah à bientôt. Allez, ciao tout le monde.